Voici le dispensaire de médecins du monde à Athènes. La Grèce, ce n'est pas le tiers-monde. Pourtant ce matin, comme tous les matins, la file d'attente est très longue. Les patients sont là pour voir le docteur Aspasia Mielakis, qui travaille ici depuis plus d'un an. L'humanitaire, elle connaît. Avant de revenir en Grèce, ce médecin a travaillé en Afrique et à Haïti. Pour elle, chaque crise est différente, mais il y a des points communs. Pas de travail, pas d'argent, des besoins basiques, nourriture, santé, hygiène, et surtout, du désespoir. Un désespoir qui touche tous les Grecs. Nous avons de plus en plus de patients qui viennent ici. Pas seulement des étrangers, des immigrés, mais aussi beaucoup de Grecs. Ils viennent ici soit parce qu'ils n'ont plus de couverture médicale, soit parce qu'ils n'ont plus les moyens d'acheter leurs médicaments. Ici, on les soigne gratuitement et les médicaments ne coûtent rien, donc il y a de plus en plus de patients. Parmi ces patients, il y a Vassilis Zorbas. Il ne travaille plus depuis février 2011. Il possédait un café qu'il a dû fermer. Pas d'assurance chômage et pas d'argent pour la couverture médicale. Alors Vassilis vient au dispensaire, le plus souvent pour avoir des antidépresseurs. Malheureusement, aucun organisme ne nous soutient. Une structure qui nous enregistrerait comme chômeurs et qui nous accorderait une allocation minimale comme celle qu'ils accordent aux salariés du privé. Mais nous, en tant que profession libérale, nous n'avons droit à rien. Ils nous ont menés à une impasse. Et en plus, ils nous font payer plus de taxes, plus d'impôts, alors qu'on n'a plus aucun revenu. Malheureusement, il n'y a qu'en Grèce que les choses en arrivent là. Il y a 3 ans, moins de 10% des patients du dispensaire étaient grecs. Aujourd'hui, 1 sur 2. Nikitas Kanakis est à la tête de l'établissement. S'il fonctionne aujourd'hui, c'est uniquement grâce aux dons. Mais avec l'austérité générale, Nikitas craint pour l'avenir de son dispensaire. Les gens sont en colère. Les gens ont besoin d'espoir. Les intentions de l'Union européenne et des partis politiques grecs ne sont pas claires. Comment ça va se passer? Un de nos patients, qui est au chômage et qui n'a plus de revenus, m'a dit « Même si c'est la banqueroute pour le pays, qu'est-ce que je vais perdre? Je n'ai déjà plus rien. » C'est le danger qui menace la société grecque. De plus en plus de gens pensent qu'ils n'ont plus aucun avenir au sein de cette Europe. Plus d'avenir au sein de l'Europe. Un sentiment qui grandit dans un pays dont le visage a beaucoup changé en à peine 2 ans. À Athènes, un commerce sur 4 a fermé. Salaire en baisse, impôts en hausse. De plus en plus de sans-abri, un chômage à plus de 20%. Un Grec sur 3 vit au-dessous du seuil de pauvreté, le taux de suicide augmente. Alors pour de plus en plus de Grecs, trop c'est trop. La colère et la frustration montent. D'autant plus que les politiques d'austérité imposées par l'Union européenne et le Fonds monétaire international n'ont pas changé grand-chose. Conséquence de cette colère, les élections du mois dernier ont placé cet homme en deuxième position, Alexis Tsipras. Son parti, Syriza, est une formation d'extrême gauche, trop radicale pour certains, mais soutenue par beaucoup pour son programme qui dit non à l'austérité et non à tout plan de sauvetage financier. Les citoyens ont envoyé un message clair aux deux partis traditionnels qui soutiennent les plans de sauvetage de Bruxelles et du FMI. Ils ont vu leurs résultats baisser au profit des extrêmes. Aucune coalition n'a été trouvée pour former un gouvernement. Conséquence, les Grecs sont rappelés aux urnes le 17 juin. Sofia Sakorafa a longtemps milité au PASOK, le Parti Socialiste. Mais elle a récemment rejoint Syriza. Pour elle, les exigences de l'Union européenne et du FMI sont inacceptables, mais elle se défend de tout radicalisme. L'État grec tel qu'il fonctionne actuellement a besoin d'être réformé.
Mais ce que nous disons, c'est qu'il est criminel de demander à un peuple de faire en une nuit ce qui devrait prendre 10 ans. On ne peut pas demander à l'État de réduire de 150 000 le nombre de ses fonctionnaires en les jetant subitement à la rue. Et en même temps, il y a des milliers d'entreprises qui ferment, 600 000 en 2 ans. Donc comment le peuple va-t-il sortir de ce tunnel noir dans lequel il a été entraîné? On ne s'en sortira jamais comme ça. C'est ça qu'ils veulent? Dans le reste de l'Europe, c'est l'incertitude. Que va devenir la Grèce? Athènes a 350 milliards d'euros de dettes. Sans les fonds de l'Union européenne et du FMI, c'est la banqueroute. Mais pour certains, austérité ou pas, Athènes ne sera jamais en mesure de rembourser ce qu'elle doit. Le défaut de paiement, ce n'est qu'une question de temps. Un défaut de paiement qui pourrait ramener la Grèce vers son ancienne devise, la drachme. La semaine dernière, la Banque nationale a tiré la sonnette d'alarme. Un retour à la drachme entraînerait une inflation catastrophique, un chômage massif, une dévaluation, le chaos. Théodore Katsanevas n'est pas d'accord. Il fait partie des économistes qui sont de plus en plus en faveur de la drachme. Cela créerait des emplois, cela remettrait le pays en marche. Assez pour rembourser les dettes. Avec la drachme, il y aura des problèmes au début, on le sait. Il y aura de l'inflation et certains produits deviendront rares ou inaccessibles. Mais on va s'en sortir. Les gens peuvent supporter les périodes difficiles s'ils ont le sentiment qu'au bout du compte, il y a de l'espoir. Argentina a eu le même problème, Mexique aussi. L'Argentine a eu le même problème, le Mexique aussi. Ils étaient liés au dollar, la même chose. Ils ont connu des situations très difficiles. Eh bien, le président argentin Kirchner a cessé cette dépendance au dollar. Et après 2 ou 3 ans, l'Argentine s'est relevée et son économie a connu une croissance de plus de 15%, entre 15 et 20%. Ils ont alors remboursé leurs dettes. Le modèle argentin, c'est la nouvelle marotte de plus en plus d'économistes. Mais une grande majorité de Grecs reste attachée à la devise européenne. Voici le foyer Klimaka à Athènes. Ici, on peut trouver à manger et à boire. C'est un lieu de rencontre, de repos, de répit. Léo Ioannidès est peintre. Il peint des icônes, ou plutôt peignait. Son affaire s'est écroulée en septembre dernier, il s'est retrouvé à la rue. Aujourd'hui, il vit et travaille au foyer. Pour lui, un retour à la drachme ne pourrait rien changer à son sort. Si la Grèce quitte la zone euro, elle cessera d'exister du jour au lendemain. Qu'est-ce qui se passera? Les riches vont retirer leur euro des banques. Les banques vont être à sec. Les Grecs vont se retrouver avec des drachmes. Mais quel pays va accepter de nous vendre ces produits en étant payé en drachmes? Comment va-t-on importer? La Grèce est dépendante de ses importations, car elle n'est plus capable de produire quoi que ce soit depuis 15 ou 20 ans, parce qu'elle avait de l'argent. Et pourquoi avait-elle de l'argent? Parce que les politiciens, dès qu'ils en avaient besoin, ont emprunté facilement. Et maintenant, qui va payer leurs dettes? Et comment? Comment rembourser la dette? Telle est la question. La Grèce peut-elle y arriver au sein de la zone euro? Comment éviter un effet domino dans les autres pays européens? En Grèce, et partout en Europe, l'inquiétude est grande. Et la seule chose qui semble certaine, c'est l'incertitude.